en un progrès considérable d'un travail pour augmenter la capacité d'Amlagog par 60%. Travail maser et visible sa dernière semaine, il n'a son barrage en dedans ou bien upstream embankment. Pendant un peu de temps, excavateur type fouiller côte lipier en dadam en préparation pour compact piling. Sa processus côte ban pousse la terre et gagne talé et après relais et damé pour créer un nouveau barrage dans partie en dadam. Puis aussi, tu besoin graduellement réduire de l'eau dans dam pour assurer qu'il est vide vers la fin zin pour sa bon travail capable de faire. Mais sa travail est tout de même grand un peu retard à cause de la pluie sa bonne dernière temps. Malgré ça, pareil est planifié, élévation embankment en dedans, il à présent arrive même au terre avec biais ses mains, ou bien même au terre qui barrage en dehors d'âme. C'est là à présent qu'il travaille pour le faire pour monter niveau d'âme par 6 mètres au terre. Niveau de l'eau dans d'âme pour aussi remonter graduellement en mesure qu'il bon travail y progresser. Aussi remarquable est sa nouveau barrage rose et gravier qu'ils appellent rip-rap. Rip-rap et aussi compris dans le système filtration. Travail casse la terrasse, drillé et grouting, côté partie de la rentrée d'âme y était, il n'a présent complété. Grouting, nous rappelle, il sa processus côté bon grand slab béton, il est construit et une fois qu'ils ont été sec, bon travailleur est drillé à différents points pour injecter un mélange béton spécial jusqu'à 2-3 mètres profondeur. Ça, il y a mes yeux pour empêcher de l'eau dans la dame pénétrer de bon endroit en voisinant. Grouting, qui est un composant très important à s'apposer, il est aussi complété côté la terrasse, côté droite dame. Mais grouting, il continue dans les autres endroits à travers réservoir. 23% complété dans la partie nord dame et 46% ici côté la terrasse, côté droite. L'autre développement, il concerne un tunnel qui passe en bas dame. Ban vieux valve et tuyaux, ils ont été démontés et retirés. Ils ont été finis et remplacés par ban kinef. C'est ça ban gros tuyaux qui amène de l'eau dans la dame pour stockage et puis transporte ça de l'eau hermitage quand il est nécessaire pour traiter. Ils ont passé dans sa tunnel jusqu'à côté intake tower, côté ban valve y était. Concernant intake tower, scaffolding ils ont été tout autour et sa slab béton l'eau sans bout en l'air. Fait gagner démoli en préparation pour un travail construction qui pour augmenter son hauteur par 6 mètres. Travail l'installation d'un structif ferraille qui après gagner couvert et béton côte spillway, il continue. Spillway est un mécanisme qui a zéro de l'eau en plus qui pas capable de stocker les dames plein. Beaucoup de travail gagne faire et puis continue le parti en l'air et tout du long sa structure. La quantité de béton qu'il a mettée jusqu'à présent y représente 23%. Là, l'installation strictive ferraille a commencé de bout en bas spillway, qui est dans la forme un grand bassin qui absorbe de l'eau et réduit la force de l'eau qui descend dans spillway avant qu'elle tombe dans la rivière. Il y a une façon pour protéger sa partie spillway contre l'érosion. Entre-temps, contracteur il commence à retirer un pied de bois qui dans le périmètre réservoir côte nouveau niveau de l'eau pour arriver. Jusqu'à présent, 60% travail en général est complété le saprosé. Il est supposé compléter entièrement vers l'année prochaine comme capacité stockage dans la GOG pour 1 600 000 m3 comparé avec 1 million m3 avant le procédé commencer.